L'ancien président égyptien Hosni Moubarak et ses deux fils resteront encore en prison. La Cour de cassation égyptienne a rejeté le pouvoir en appel de l'ancien président égyptien et ses deux fils contre un jugement de mai dernier les condamnant à 3 ans de prison pour corruption. Les plaignants sont poursuivis pour détournement de plus de 10 millions d'euros de fonds publics pour l'entretien des palais présidentiels. D'abord condamné à vie pour complicité d'assassinat, Hosni Moubarak, 87 ans, a finalement bénéficié d'un abandon de charge.